رسالة ملكية موجهة للقارة الإفريقية، موجهة يعني الوطن ديالنا، الأهمية ديال الخيارات اللي خدتها بلادنا في هذا الشيء ديال لاسيونس مالادي اوبليغاتوار، التغطية الصحية، ولا الدعم ولا الحماية الاجتماعية اللي الحمد لله بفضل الرعاية ديال صاحب جلالة المغرب يعني قضاء أشواط اللي هي كبيرة واللي يمكن اليوم نتقاسموها مع القارة الأفريقية في المستقبل، غادي تكون مناسبة لنقاش بالنسبة يعني هذا الشيء ديال التحدي اللي كاين ديال المخاطر في الأمراض الصحية، وغادي يكون فيها إن شاء الله مراكش تكون واحد ديكلاراسيون اللي هي تعطي واحد لو كاب للمستقبل بالنسبة للمخرجات ديالها هذا الأسبوع، وكذلك مناسبة باش نقولوا مع السيد وزير الصحة بأن واحد العمل كبير كيتقام اليوم باش إن شاء الله تكون واحد الميثاق يعني إفريقي ديال الصحة اللي كيشتغل عليه بلادنا مع واحد العدد ديال لي زيكسبير، مع واحد العدد ديال البلدان، باش إن شاء الله يكون ميثاق إفريقي اللي يعالج القضايا ديال الصحة داخل القارة الإفريقية ديالنا. وشكرا. Un événement du 1er de Saint-Jean, puisque c'est la première fois dans le monde où on organise quand même une première conférence pour la réduction des risques en santé, surtout avec un portage politique. Ça a été toujours, bien sûr, des conférences d'ordre scientifique. Aujourd'hui, c'est un portage qui est politique, puisqu'on a assisté d'abord à une lecture d'une lettre royale qui porte plus d'un message et qui appelle le continent à travailler la main dans la main. Seuls les Africains sont bien sûr maîtres de leur destin. Aujourd'hui, la souveraineté sanitaire, plus que jamais, une grande question qui se pose, puisque nous sommes en train de vivre des moments qui sont très difficiles. La question des réductions des risques de santé ne dépend pas seulement du secteur de la santé. C'est une question qui est intersectorielle et ne dépend pas bien sûr de la volonté seulement d'un seul pays. Elle dépend bien sûr du multilatéralisme très développé. Le continent, avec tous ces pays, s'ils travaillent ensemble dans un réseau panafricain, on peut parvenir éventuellement à des stratégies, je dirais bien sûr, de réduire les risques. C'est la raison pour laquelle, pendant bien sûr cette conférence, nous allons assister à plusieurs thématiques. Nous allons travailler pendant les 3 jours pour sortir avec des recommandations. Et on assistera à la fin à une déclaration qui sera la déclaration de Marrakech, qui portera plusieurs messages pour aboutir éventuellement à une charte de la santé pour le continent africain. Voilà ce que demande Sa Majesté. Merci beaucoup. J'ai voulu prendre la parole cet après-midi ici à Marrakech, devant cette prestigieuse audience.